Mes amis, soyez les bienvenus dans ce stream ou dans cette vidéo. Je dis je. Ah, merci pour le host NPKNT. Je sais pas si ça s'affiche juste parce que je commence mon stream ou quoi, mais c'est cool. En tout cas, aujourd'hui, on va faire un petit peu de C++. Il y a Solarus 1.6.5 qui est sorti il y a quelques jours. Et notamment, on a fait des modifications. Dans 1.6.5, qui sont pas encore répercutés, pardon, dans la version de développement de la branche principale, la branche dev, et on va s'occuper de faire ce merge ce soir, et ça va être un petit peu compliqué parce que, en fait, on a divergé au niveau de la gestion du son. Alors, je vais tout vous expliquer. Mais normalement, si je tape git merge. Ah oui, alors attendez, vous voyez pas bien. Si je tape git, là je suis dans la branche dev. Si je tape git merge release 1.6.5 pour récupérer dans la branche principale les derniers fixes qui sont allés dans la release 1.6.5. Ok. Je m'attendais à mieux quand même. J'ai plein de conflits. Je m'attendais à un ou deux conflits. Bon, je pense que la plupart, c'est pas grand-chose, mais bon. Le principal problème, ça va être dans sound.cpp et sound.h, parce que on a ajouté des nouvelles fonctionnalités dans 1.6.5 au niveau du son, et d'autres dans 1.7 aussi au niveau du son. Et l'une étant le fait que de se reconnecter au device par défaut, au périphérique de son par défaut, si jamais il a changé ou il a été débranché. Et l'autre étant permettre d'interrompre un son après qu'il ait été commencé. Donc en gros, il y a eu pas mal de refactoring des deux côtés. Et du coup, le merge n'est pas automatique. Donc on va s'occuper de ça ce soir. Et tous les autres conflits devraient logiquement être assez simples. Ça doit juste être des, je suppose, des. Des tests unitaires qui ont été ajoutés des deux côtés. Attendez, je vais fermer tout ça. Solarus. Alors, testing quest. Donc là, on a des conflits. ProjectDB.Date. C'est juste qu'on a ajouté les tests unitaires dans les deux branches. Donc on va juste faire. Je suppose que si on fait accept both changes, ça devrait marcher. Ouais. On a ajouté entity set name dans 1.7 et ces deux-là dans 1.6.5, je pense. Est-ce qu'on a d'autres? Ok. Alors, je pense que c'est bon sur ce fichier-là. Je sais pas s'il l'a marqué comme résolu déjà automatiquement. Ensuite, add test map, ça va être la même chose. Ah, mais il y a même un truc qui. Ah oui, d'accord, il y a une vue de tous les conflits en cours là. Ok. Add test map. Pareil, accept both, et c'est tout. Du coup, je pense qu'il faut que je fasse stage changes une fois que c'est fait. Ensuite, changelog.
Mais tout ça, ça devrait aller dans l'UA API Changes, non? Donc ça, j'ai déjà en dessous. Fix crash when calling common functions before the game is started. Il est déjà là aussi. Ouais, tout ça va dans l'UA API. Même des conflits dans compilation.md. On a ajouté un truc à propos de SDL2. Il faut que je fasse accept current change. Je sais pas trop pourquoi il y avait un conflit là, mais c'est pas grave. Qui a changé là-dedans? Ça a l'air d'être la même chose, c'est bizarre. Ah, il y a juste le HTTPS qui a changé. Mais rien, pourtant c'est pas dans ce bout-là. Il doit y avoir des problèmes de saut de ligne ou je sais pas quoi, parce qu'il y a des diffs qu'on voit pas. Ou alors des white space, je sais pas trop. Donc on va accepter le HTTPS, ça c'est sûr. Je dis ça parce qu'en fait il va falloir que je le fasse bientôt aussi. Cette histoire-là, c'est complètement obsolète, mais je pense que ça, c'est valable. Open Pandora, ça fait, c'est un peu obsolète aussi. J'essaie W0. Ok. On n'a plus de conflit. Ensuite, add defines. Donc là, on a ajouté des choses des deux côtés. Oh, il manque un endif quand même là. Accept both changes, mais il manque le endif, c'est bizarre. Ça, c'est ce qu'on a ajouté dans 1.6.5. Et ça, on l'a ajouté dans 1.7, donc autant le mettre plus bas. C'est bon. Add options, ça va être pareil, je pense. Oups, j'ai cliqué sur quelque chose là. Ah oui, alors si on match Darwin, si on est sur Mac,
On initialise la writedir et OpenAI l'extension. Je sais pas pourquoi, je sais pareil, je sais pas pourquoi ça fait un conflit, mais il faut que je prenne la version du bas. C'est la version du haut, elle n'a pas de changement. Donc c'est encore une fois une histoire de saut de ligne peut-être. Par contre là, il y a bien un changement, on a les deux nouveautés. Donc là, accept both changes en les mettant dans cet ordre-là. Ok, ça c'est fait. Et ensuite, aïe aïe aïe, c'est là que ça va piquer. Parce que dans dev, on a tout changé sur les sons. Et dans 1.6.5, on a ajouté la détection de changement de device pour que le son continue sur un autre périphérique en cas de. Si le périphérique est débranché. Par exemple, là, si je débranche mon micro USB qui a, avec les écouteurs dessus, ça devrait switcher automatiquement le son vers les haut-parleurs internes de mon PC. C'est des choses que je vous ai pas trop montré en stream parce que j'ai pas envie de débrancher mon micro en cours de stream. Ah bon, pourquoi il me propose ça? Mais c'est vrai que d'habitude je fais pas de C++ avec cette IDE-là. Donc pour tout ce qui est C++, de toute façon, je vais utiliser Qt Creator comme d'habitude. Fusionnement. Il affiche bien que je suis en cours de fusion. Ah oui, ça c'est juste une typo dans un commentaire. Bon. Ok, alors musique.cpp et musique.h, apparemment ils ont été mergés sans aucun conflit. Donc j'avais bien ajouté la gestion des connexions et reconnexions à la partie musique, mais comme elle n'avait pas été changée dans l'autre branche, ça n'a pas fait de conflit. Donc c'est vraiment qu'au niveau des sons qu'on va avoir un léger problème. Alors sound.h, ça n'a pas l'air méchant. Sound.cpp, là ça va. Je vois pas comment on peut s'en sortir facilement. Il y a des conflits un peu partout. C'est normal. C'était prévu. Initialize, je crois qu'il n'existe plus. J'avais enlevé dans 1.6.5. Donc, on va confirmer que on l'enlève. Du coup, sound.h, le conflit est réglé. Ah mais vous voyez toujours pas là. Ce que je tape. Voilà. Là c'est mieux. Ok, c'est bon. Alors, donc dans Dev, on a inclut ces trucs-là en plus. Il y a des chances que j'en ai besoin.
Et dans 1.6.5, on a inclus ces trucs-là en plus. Sachant que c'est déjà inclus là-haut. Donc ça, c'est OK. Alors, initialized, ça n'existe plus. Volume PC Play. Current sounds. Post by system. Alors par contre, post by system, ça c'est nouveau. Ça faut que je le garde. J'ai bien current sounds. J'ai bien post by system. Mince, j'ai appuyé sur F5. Current sounds, all sounds. Et pas de all sounds. Il n'y a peut-être plus de all sounds dans 1.6.5. Par contre, current sounds, il y en a. C'est une std list de sound ptr. Voilà, alors sound.cpp. Donc là, je suis dans la branche dev, mais je vais aussi afficher la version de release 1.6.5 pour être sûr. Donc current sound, c'est une liste de pointeurs dans 1.6.5, mais dans dev, j'ai amélioré ça, c'est une liste de shared pointers. Donc c'est bon, ok. Là, il y a un namespace anonyme. Pourquoi il y a un namespace anonyme? À cause du CB read. CB seek. Où est-ce qu'ils sont passés ceux-là? Ah, ils sont. Ok, dans 1.7, ils sont. Allez, dans Sound Buffer. Ouais, ils sont là. Donc, dans Sound, tout court, il n'y a plus de namespace anonyme. On a nos constructeurs. Sound Buffer. Donc dans dev, on a ajouté un create qui retourne un shared ptr. On n'a plus de constructeur à partir d'une std string. Si, il est en dessous. Non, on n'en a plus. Ça n'existe plus. Ça a été simplifié parce qu'il n'y a plus qu'une seule source. Maintenant, il y aurait plusieurs instances en fait de la classe sound si le même son est joué plusieurs fois. C'est pour ça qu'il n'y a plus de boucle. Par contre, cette condition elle a changé. C'est plus isinitialize, c'est device lptr. Et donc, on appelle stop source. Soit.
Et le current sounds.remove the this, on le fait quand ça? Ah, on le fait dans le update qui est statique. Ok. Il n'y a plus de buffer là. Oui, c'est la source. Donc tout ça, on peut enlever. SoundInitialize qui appelle ça, qui crée un buffer. Alors, update playing start, ils ont disparu. Update, non, c'est parce que je suis trop bas. Ok, donc dans dev, on avait le initialize qui initialise OpenAI, mais ça a bougé parce que ça va être refait à chaque fois que le périphérique de son a changé. Donc maintenant, c'est dans une autre fonction. Donc je pense qu'il faut que je prenne cette version-là et puis c'est tout. Il n'y a rien d'autre qui a changé de toute façon du côté dev. C'est pour ça qu'il n'y a pas de conflit. Alors, quitte. Donc le kit de dev, il fait tous ces trucs-là qui maintenant sont faits dans... Non, ils sont toujours faits là. On pète le contexte, on pète le device. Et on fait musique kit. Et dans release 1.6.5, c'est quasiment pareil. On fait allSounds.clear, mais ça n'existe plus. Ça n'existe plus, All Sounds. Donc c'est juste ça. Update device connection, c'est donc une nouvelle fonction de 1.6.5. STD. STRCMP n'existe pas. C'est pas dans STD. Non, c'est pas dans STD. Je pense que c'est dans STDlib. C string. Est-ce que Twitch est cassé? Je ne vois plus mon stream. C string. Ok, donc c'est là qu'on va avoir des problèmes. Parce que quand on n'a plus de device... Je peux plus simplement détruire tous les sons. Ah, ok, c'est revenu. Rebonsoir. Get ID. Load all. Le load all, je pense qu'il n'existe plus dans dev. Isinitialize qui retourne audio enabled. Ça, ok.
Même si dans Dev, il retournait pas ça. Retournait initialized, mais ça n'existe plus, cette variable initialized. Mais non. GetID. GetID, ok. GetID, c'est une nouvelle fonction côté dev en fait. Donc on va la garder. Data.getID, ouais. Et load all, je pense que ça n'est plus censé exister. Ça c'est pas fait, c'est plus fait ici maintenant, c'est fait dans un thread à part dans Resource Provider. Le seul problème, c'est que quand le device est déconnecté, ça va être le gros bordel. Mais on verra ça. Déjà, on va régler les conflits. Alors, on était où? GetID exists. Play getVolume, tout ça, ça n'a pas dû changer. Exist play getVolume, setVolume. Alors, il y a pause all, resume all qui sont nouveaux. Mais ça, c'est pas un souci. Get volume, set volume. Et donc, après, on a la fonction update qui est statique. Qui normalement ne change rien. Sauf qu'elle appelle cette fonction-là en plus. Et la fonction play. Je sais plus si elle était là. Get volume, set volume. Attends, il y a des trucs qu'on n'a pas vus. Ah oui, pause all et resume all. Ils sont plus là. Ils sont mis plus loin en fait. Ils ont été bougés dans Dev. On a bien play getVolume setVolume. Ok. Donc le update, je sais pas pourquoi il y a un conflit. Sont très bien ces graphismes. If not initialize return. Je suis assez d'accord. Ensuite, update device connection. Et ensuite, if device null pter. Donc, tout ça, c'est la version 1.6.5 qui est bien. Simplement, les sounds to remove, maintenant, c'est les sounds ptr. Donc en fait, la boucle elle a un petit peu changé de. Il y a des types qui ont changé là-dedans. Mais sinon, c'est exactement le même code. Alors, update playing, check open state. Cette fonction-là a un peu changé de tête. Dans dev, elle a été simplifiée parce qu'il n'y a plus qu'une seule source. Elle n'a pas changé dans 1.6.5. Alors, le start, lui, peut-être qu'il y a des trucs qui ont changé. Ou pas. Une source, on récupère le buffer.
Current sounds. A priori, du côté 1.6.5, start n'avait pas changé. Non. Alors, stop, lui, il a changé. Donc là, j'ai la fonction start et juste après, la fonction stop. Ou alors stop source. Attendez, dans 1.6.5, j'ai 7 posts à cet endroit-là. Des code files qui a bougé dans l'autre fichier. Ah, il n'y a plus rien d'autre. Ok, donc tout le reste, c'est du nouveau code. Il n'y a pas de fonction stop, il y en a forcément une. Ah ben non, parce qu'on ne pouvait pas justement. C'est une nouvelle fonctionnalité de pouvoir stopper un son. Suis-je bête? Donc on va plutôt... Est-ce que c'est vraiment isInitialize qu'il faut tester là? C'est plutôt ifSource différent de endNone. J'ai plutôt testé ça. Ah mais c'est déjà testé là. Ok. Mais depuis 1.6.5, il vaut mieux tester comme ça. Donc stop source. Ah oui, c'est appelé là stop source. Si on est playing ou post, on fait stop source. If elle sur stop, on delete la source. On vérifie que ça s'est bien passé. Et alors après, lui se croit encore dans le start ou dans le load. Ah oui, j'avais bien mis if device null, ptr. If buffer égale I'll non load. Return false parce que c'est fait différemment maintenant, oui. Est-ce que ces trucs-là auraient changé dans 1.6.5? Je ne pense pas. Alors, on peut enlever tout ça normalement. Ensuite, isPost, c'est une nouvelle fonction de dev, sauf que le tester. Isinitialize, je vais juste tester. Si device est nul, ptr.
peu comme là en fait. Ensuite, pause my script. Pause all, resume all. Tout ça, c'est du nouveau code de dev qui n'est pas censé être influencé par les changements de 1.6.5. Ok. Bon. L'objectif pour ce soir, ça va être que ça compile. Mais tout ne va peut-être pas marcher. Notamment, il y a du code que j'ai commenté. Là, j'ai fait un to do. Que quand on perd la connexion au périphérique audio, il y a tout qui se fait détruire. Et le problème, c'est qu'il faudrait que tous nos sons réagissent en fait. Est-ce qu'on pourrait faire... Enfin, on pourrait forcer le rechargement de tous les sons, mais ça devrait être évitable. On pourrait faire soundcache.clear. Mais actuellement, les sons... Sound buffer qui prend un sound ID quand on le load. File name, decode file. Même point de data. On charge le fichier en entier en mémoire. Est-ce qu'on le garde ce truc? Même data.clear. Non, on le garde pas. On garde que le buffer OpenAL, donc les données sont bien perdues. Même temps, c'est normal, on va pas surcharger la RAM avec tous les fichiers sons une fois qu'ils sont décodés. Et Sound Preloaded, ça existe encore ce truc? Ça sert plus à rien. Sauf que c'est pas statique. Comment je faisais déjà pour y accéder depuis Play? Ah, il était passé en paramètres.
Ça répond plus? Si, c'est bon. Ou alors essayer de faire un truc plus malin, mais c'est chaud. Parce que le problème, c'est que le son, quand on va le jouer la fois suivante, le sound buffer, il sera plus valide. En plus, quand on crée un son, il prend un const sound buffer. Il faudra que je réfléchisse à comment gérer ça. C'est pas très simple. Ah, ça a compilé. C'est déjà pas mal. Alors, je sais pas si vous vous entendez du son. Ah, maintenant oui, je pense. Mais il n'est pas fort du tout. Donc c'est ça la nouvelle API. Qu'est-ce qui était long comme son déjà? Ah oui, game over, non? Boss killed, un truc comme ça. Sol.sound.create, c'est nil value maintenant? Ah oui, mais parce que ma quête elle est pas en 1.7 encore. Bon, ok, ça marche encore. Par contre, débrancher, rebrancher. Si je le fais maintenant, je pense que vous m'entendrez plus quand je rebrancherai. Donc, je vais pas le faire. Je testerai plus tard. De toute façon, je pense que ça va marcher, mais pas totalement. C'est-à-dire que les sons ne vont plus marcher, mais les musiques vont marcher. Donc, faudra que je réfléchisse à comment gérer ça le plus proprement possible, on va dire. Mais déjà, je voudrais que ça compile, que le merge soit fait.
Mince. Et qu'après je puisse faire aussi le merge dans l'éditeur qui va avec. Je voulais aussi lancer les tests unitaires. Ok, ça passe. Magnifique. On va pusher ça. Il faut que je fasse ninja install. Vérifier que du côté éditeur ça marche aussi. Oups, oups, oups. Pourquoi il recompile plein de trucs là? Bon, en tout cas, du côté de l'éditeur, ça devrait être plus simple. Parce que je pense pas qu'il y ait eu de divergence normalement. Ah, mais j'ai déjà fait le merge d'ailleurs. J'ai déjà fait merge branch release 1.6.5 dans dev. Je me souvenais plus. Donc, du coup, il n'y a rien à faire. Je suis déjà dans dev.
Bon, du coup, le prochain live coding, ça sera comme j'avais dit l'autre fois. J'ai envie d'en faire un sur Zelda Unhealing Begins ou alors Children of Solaris. Sachant que hier soir j'en ai fait un sur Zelda A Link to the Dream aussi. D'ailleurs, il sera publié sur YouTube demain matin, il me semble. En tout cas, je suis motivé en ce moment. Ça avance bien. Ouais, puis je vais enfin enregistrer des nouveaux tutos aussi, maintenant que 1.6.5 est sorti. Des nouveaux tutos vidéo. C'est bon, c'est plus long que d'habitude la compilation là. L'ordi, il rame pas mal. Hey, salut, CAC. Il y a eu pas mal d'améliorations récemment. Là, je parlais des fonctionnalités au niveau du son. Donc maintenant, quand tu débranches ton casque USB pendant que tu joues à Solarus, à un jeu Solarus, le son va pouvoir continuer sur l'autre périphérique disponible s'il y en a un. Par exemple, les haut-parleurs internes de ton PC. Et pareil, si tu rebranches le casque plus tard, ça va reswitcher vers le casque, enfin vers le périphérique par défaut. Donc ça c'est. J'ai fait ça il n'y a pas longtemps parce que ça avait été reproché par les testeurs de Ocean's Heart. Donc c'est cool d'avoir corrigé ça. Et puis aussi, toujours au niveau du son, tu peux maintenant interrompre un son. Par exemple, si tu démarres un effet sonore mais qu'il est un peu long. Et que je sais pas, le joueur change de map ou meurt ou quoi, tu peux l'interrompre. Alors qu'avant tu pouvais pas. Alors ça me dit que le stream est instable. Je sais pas pourquoi ça a ramé à mort là quand j'ai compilé. Ça a l'air d'aller mieux, non? Et puis aussi, alors, tiens, je vais quand même lancer l'éditeur un petit coup. XD2 peut-être. J'ai même pas dans la liste. Donc ouais, il y a Solaris 1.6.5 qui est sorti lundi. Et donc c'est tout neuf. Parmi les deux trucs que j'ai dit, ouais, il y en a un des deux qui est déjà sorti. C'est le fait que l'audio va switcher vers le nouveau périphérique par défaut. Donc ça, c'est sorti. Et puis il y a eu quelques autres trucs dans 1.6.5, notamment le pack de ressources qui a été amélioré.
J'espère moins de problèmes maintenant quand tu crées ton jeu, fichier et nouvelle quête. Les ennemis vont mieux fonctionner. Je vais en profiter pour enregistrer des nouveaux tutos. Puis sinon, quoi d'autre comme nouveauté? On peut aller voir sur le site. Tac. Correction de quelques petits problèmes, crash. Pareil, si tu déconnectes et que tu reconnais une manette de jeu, maintenant ça va détecter la reconnexion. Donc pareil que pour les périphériques audio en fait. Des petits correctifs sur les textes et puis ensuite des divers bugs corrigés. Ah oui, et puis ça aussi, c'était un problème dans Ocean's Heart, c'est que bah d'ailleurs j'ai fait en stream hier ce fixe-là. C'est que tu puisses couper un buisson sans être pile devant. Parce que comme l'épée de dans Ocean's Heart elle est énorme en fait, ça faisait bizarre de mettre le même comportement que Link to the Past, où tu dois être très proche du buisson et bien en face pour qu'il se coupe. Et aussi maintenant quand tu lances un jeu et que il perd le focus, il va se mettre en pause automatiquement. Et même le son se met en pause. Ça aussi, c'est nouveau dans la version qui vient de sortir. Par exemple, là, il n'y a plus le focus. Ça s'est interrompu. D'ailleurs, ça affiche Simulation Suspended. Et après, ça revient. Mais c'est optionnel, ça. On n'est pas obligé de l'activer. D'ailleurs, je me demande si on a mis l'option dans le launcher ou si c'est que en ligne de commande. Suspend when unfocused. Ok, c'est bien dans le launcher, donc c'est pas mal. Et par contre, dans l'éditeur, j'ai vu qu'elle n'y était pas cette option. Donc là, c'est. Ça manque d'ailleurs. Exécution et pas d'accent, là, c'est une erreur. Ah, donc ça, c'est les changements pour le launcher, enfin pour le moteur, c'est-à-dire pour les joueurs en fait qui jouent à des jeux. Deux petits changements dans l'éditeur, il y avait un crash quand on générait des contours. Et puis surtout, alors oui, celui-là aussi, je l'avais fait en stream, c'est que quand tu redimensionnes un tile en appuyant sur R, le raccourci clavier R là. De temps en temps, ça marchait pas. Mais on n'arrivait jamais à le reproduire. Ça arrivait que de temps en temps. Et au bout de plusieurs années, on a enfin compris le problème. Et donc je l'ai corrigé aussi. Donc voilà, il y a eu ça. Et puis les améliorations, moi, je disais quand tu fais fichier nouvelle quête, les ressources par défaut qui sont proposées marchent un peu mieux. Il y a des nouveautés dans les packs de ressources aussi, qui sont téléchargeables en plus. Il y a une nouvelle version de Zelda Mysterio, donc de deux de nos jeux en tout cas, Zelda Mystery of Solaris DX, qui a maintenant une traduction en portugais du Brésil. Et Zelda XD2, bah donc ce jeu-là, qui a lui aussi une nouvelle version, avec comme changement des corrections dans la version espagnole. C'est quoi le problème? Alors par rapport à quoi exactement? Parce que comme là j'ai passé en revue tous les projets qui ont eu une release. Je sais pas très bien sur lequel tu veux rebondir. Le problème que je viens de voir dans l'éditeur, peut-être tu parles. J'ai remarqué deux trucs, c'est que dans les options, il y a une faute là dans exécution et pas d'accent normalement. Dans la version française. Et l'autre problème, c'est que ouais, cette nouvelle option, est-ce qu'on veut ou non que le jeu soit interrompu quand on perd le focus, elle n'est pas disponible dans les options de l'éditeur. Donc quand tu lances ton jeu depuis l'éditeur pour le tester, il sera toujours forcément
suspendu quand tu perds le focus. C'est pas forcément ce que tu veux. Ah, le select des tiles. Ouais. Je crois que le bug était tout bête, c'est que si tu sélectionnes plusieurs tiles et que tous ne sont pas redimensionnables, par exemple celui-là, on peut pas le redimensionner. On peut pas le faire répéter horizontalement ou verticalement. Alors que celui-là, on peut. Si tu sélectionnes les deux en même temps, eh bien évidemment, tu peux pas. Ah si, tu peux. Ah oui, c'est vrai que c'est géré en fait. Il va détecter que ceux qui que ce qu'il faut. Mais plus simplement, si tu en sélectionnes qu'un seul qui n'est pas redimensionnable, que celui-là, l'action redimensionnée est désactivée. Et la fois d'après, quand tu sélectionnais celui-là et que tu appuyais sur R, il avait mémorisé que l'action était désactivée, même si le menu contextuel est fermé. Ça restait en mémoire que l'action était désactivée, et tant que tu rouvrais pas le menu contextuel, elle ne se réactivait pas, donc t'appuyer sur le raccourci clavier R, ça marchait pas, alors que maintenant, c'est corrigé. C'était tout bête, mais je sais pas pourquoi on n'arrivait jamais à reproduire de façon fiable. On n'avait pas compris que les étapes pour reproduire le problème. Bon, alors, comme j'ai pas streamé très longtemps, du coup, je vais peut-être en profiter quand même pour corriger les deux trucs que j'ai vus là dans l'éditeur. Il y en a au moins un qui va être très facile. Alors, c'est parti. Projet actif. Attendez, j'ai peut-être des issues à fermer par rapport à ce que j'ai fait ce soir aussi. Ça, il faudrait que je le merge, à mon avis. C'est un petit problème de compilation qu'on nous a signalé. Ouais, ok, j'approuve. Ouais, donc ça c'est fait porter le. Ah oui, on a aussi corrigé ça dans 1.6.5. C'est que maintenant, si tu joues sur un ordinateur en chinois ou en russe et que ton répertoire perso contient des caractères spéciaux chinois, russe ou je sais pas quoi, enfin, c'est-à-dire pire que les accents français au niveau encodage, eh bien maintenant ça marche, alors qu'avant ça marchait pas. Voilà. Et le fixe était bien rigolo en essayant de hacker le code interne, le fonctionnement interne de l'UA et de l'UAJIT. Donc ça c'est fait, je l'ai porté, je l'ai mergé aujourd'hui, donc je peux close, c'est bon. Et ça je laisse ouvert justement, parce que comme je disais, j'ai pas encore fini. Faudra un peu faire du refactoring. Mais comme je peux pas vraiment tester en stream, parce que j'ai pas envie de déconnecter mon son, je le ferai hors stream. Merci Kak, c'est gentil. Après, j'ai pas fait tout seul. Hein. Ok, alors les options, je sais pas, ça doit s'appeler préférence. Non, attendez, c'est dans oui. Ah non. Settings dialogue. Ok. Sauf que c'est plutôt dans le fichier de traduction qu'il faut que je corrige ça, évidemment.
Oh, ça fait longtemps que j'ai pas touché aux traductions. Comment ça marche déjà? D'ailleurs. Ah, ici, on a oublié de faire les traductions là, justement. De traduire les nouveautés de 1.6 dans le launcher. Ouais, complètement oublié ça. Alors, faut faire L-update, sauf que je crois qu'il n'est pas dans le pass, ou alors c'est peut-être pas le bon. L-update, source file path, -ts, ok. C'est un peu louche, il me dit que qu'il a rien trouvé du tout. Qu'il a gardé 50 entrées obsolètes. Point point src. C'est assez bizarre ce passe relatif là. Ah oui, mais c'est par rapport à G8, non? LSG8. Ah ouais. Il faut que je me mette tout. Ah, faut que je mette dans translation alors. D'accord. Alors, oui. Donc, solarusfr.ts. Voilà, c'est ça que je voulais. Donc, il a détecté trois nouveaux. Et deux obsolètes. Ok. Et donc après, faut ouvrir linguist solarusfr.ts. Voilà. Et là, il va me dire lesquels sont à faire. Apparemment, option n'a pas été traduit. Comment on va appeler ça en français? Suspend when unfocused. Suspendre. C'est toujours trop long. C'est toujours 3 fois plus long à le dire en français qu'en anglais. Suspendre si la fenêtre perd le focus. Forcer le rendu software. Et là, il y a un guess parce que il y a déjà le même mot ailleurs.
Donc au niveau du launcher, ça devrait être bon. On va recompiler. Ah oui, alors... Il m'emmerde toujours avec les logs là. Je dois pas avoir le bon workflow parce que... Depuis que j'utilise Ninja, j'ai ce problème des fois. Et il veut encore recompiler tout l'univers là. Ok, bah c'est pas grave, on va recompiler. Et en attendant, alors côté éditeur, on a aussi des traductions. Donc lupdate.slash. Include point point slash src Solaris Editor FR. Merde. Pourquoi je suis en avance de 8 commits? Parce que j'avais pas pushé. Ok, maintenant qu'on sait que ça marche, je peux pusher. Là, j'avais oublié de faire tiret TS. Ok, il y a une nouvelle traduction qui a été oubliée. Une seule. Je suis tombé dessus direct quand j'ai testé. En même temps, c'est normal puisque j'étais en train de vous montrer les nouvelles features. Donc, Linguist Solaris Editor FR. Et des raccourcis pour aller directement à la prochaine traduction manquante. Ah non, c'est pas ça qui manque. Alors, impossible de générer les tiles. Tile, c'est un mot que je traduis pas. Certains motifs du... Ah, merde. Ça, c'est le touchpad. À chaque fois, je le touche sans faire exprès. Du contour. Pour 101. Sont manquants. Point. Ah, c'est pas fini. Veuillez les corriger dans le tileset. Oui, je me souvenais plus que Kujibu. C'était effectivement pas une nouvelle traduction, c'était une traduction existante qui avait une typo. J'étais venu pour faire ça au départ et puis je me suis embarqué dans plus, comme toujours. Alors, le exécuter, il est dans le dialogue des options. Donc, comment il s'appelle déjà? Settings dialogue. Oui, il est là. C'est running, exécution. Voilà. Merci Kujibu. Ouais, et merci Kak pour avoir posé la question. Ça compile toujours de ce côté-là. Ça n'empêche pas de éventuellement compiler aussi de l'autre côté. Il dit toujours qu'il y en a une non terminée. Ça rame. Je pense que je devrais arrêter de streamer en 1080p parce que l'ordi, il a du mal. Là, ça répond plus là. Ça non plus, ça répond plus. Bah cool.
Je sais pas du tout si vous m'entendez encore. Je regarde sur mon téléphone si le live marche. Parce que mon ordi, il dit plus rien. Si, si, ça marche encore, hein. C'est incroyable. Mais je peux pas cliquer. Il se passe plus rien quand je clique où que ce soit. Peux faire des alt tab. Ah, ça y est, c'est revenu. Ok. Il a réussi à compiler. Alors, je reviens aux traductions. Je stream à 2 FPS, ouais, voilà. Donc, il manque encore un truc là. Je crois que j'avais pas bien validé ce changement-là. C'est pour ça qu'il disait une traduction manquante. Voilà. Je pense que c'était plus un bug bizarre de mon ordi. Dès que j'ai fait Alt-Tab, tout est revenu. On dirait que c'est parce que c'est tout ou rien. Là, ça rame plus du tout. Bon, alors c'est juste que j'étais en train de compiler, mais je compilais qu'avec deux cœurs. Normalement, ça va d'habitude, même pendant les streams. Après, ouais, c'est vrai que je stream en 1080p. C'est assez violent. Alors, je crois que ça s'est déjà compilé. Git diff. Update French translation. C'est update et fixe, mais c'est pas grave. Et donc, alors, la nouvelle option qu'on a vue, elle s'appelle. Suspend bidule truc when unfocused. Voilà, suspend-unfocused. Yes ou no. Default, yes. De toute façon, je peux m'inspirer de l'autre. Parce que dans le launcher, on a vu que c'était fait. Ah, c'est dans SolarWinds G8. Attendez, pourquoi il n'y a pas un point UI qui correspond à ce qu'on a vu du côté launcher là? Option.
Ah non, il n'y a pas de fenêtre d'options, c'est vraiment que dans ce menu. Ok. Suspend when unfocused. Je voulais juste être sûr que j'utilise les mêmes termes dans l'éditeur que dans le launcher. Settings dialogue. Non, comment il s'appelle? Settings dialogue.ui. Alors, checkbox. Mais j'ai déjà oublié exactement le comment ça s'appelait de l'autre côté, bien sûr. Ok, c'était bien ça. Suspend when unfocused. Ben c'est tout. Du coup, ça veut dire qu'il faudra mémoriser aussi. En gros, je vais copier la même chose que pour Force Software parce que ça marche pareil, c'est juste une checkbox. Ah, quelle horreur, on a l'ancienne syntaxe des signaux et slots pour ce fichier-là. Ouf. Bon, ça va prendre du temps à les rectifier. Bon, je vais pas vous infliger ça aujourd'hui. Du coup, suspend. Unfocus field. Pour l'instant, il ne le trouve pas parce qu'il n'a pas encore compilé le point UI. Update suspend Alors, je vais juste copier-coller cette fonction, ces deux fonctions. Et si je fais un petit rechercher remplacer Force Software. Non, mais pas dans tous les fichiers, que dans la sélection. Remplacé par suspend unfocused. J'ai raté mon coup. C'est force software rendering. Voilà. Et donc maintenant, il faut que j'ajoute un petit setting sauvegardé là. Donc force suspend unfocused. C'est pas force. C'est juste suspend unfocused, ok.
Default values. Donc ça, je définis. Tiens, pourquoi il n'y est pas l'autre? Le forced software rendering. C'est un oubli. De toute façon, c'est false par défaut. Mais nous, le suspend unfocus, ça va être vrai par défaut. Voilà. Donc c'est stocké, c'est dans la UI. Et maintenant, il faut encore faire en sorte que on envoie l'info, le paramètre, quand on crée, quand on lance la quête. Alors ça, ça doit être dans... Je sais pas. Quest Runner? Ah mais non, je suis pas dans... Si, c'est peut-être quand même dans Quest Runner. Si je fais une recherche sur ça, je vais forcément trouver. Je vais trouver qui l'utilise l'info. C'est bien Quest Runner. Et aussi Main Window. Ah non, ça j'ai déjà fait. Non, j'ai pas fait. Update the force of direction with... Mais parce qu'en plus il y a une action. Genre il y a une entrée de menu dans l'éditeur sur ça. Ah, alors faudra que je regarde aussi dans ce cas. J'avais pas fait gaffe. What? Ah oui, parce que oui, ce code-là il est utilisé à la fois par l'éditeur et par le. Je bug. Le launcher, et donc ça avait déjà été pris en compte du côté launcher. Mais les settings. Tous les settings que je viens de voir là, ils sont. C'est pas les mêmes settings. Bon, d'ailleurs, explicite, ce sera mieux. Mais Suspend and Focus, il est mis à non par défaut? Ah non, il est mis à vrai par défaut, oui. Ok. Quest Runner Start. Editor arguments. Mais là on est soit dans l'éditeur soit dans le launcher. Non, on est que dans le launcher là. D'accord. Comment fait l'éditeur pour lancer une quête? Main window, mais non, je suis dans main window de du launcher. Tout fermé. Solaris Quest Editor. Main window. On action run quest. Donc on a bien un Quest Runner finalement. On a des Editor Settings. Mais c'est utilisé juste pour autre chose. Quest Runner.start.
qui crée le process. Et après, il crée les arguments. Ce que je comprends pas, c'est qu'il crée les arguments à partir du contenu d'un objet settings. Cet objet settings, c'est en fait un QSettings. Qui dépend de application name. Donc ça va bien aller chercher celui de l'éditeur. Ah mais on fait pas export to quest, on fait pas ça du tout. Ça c'est pas appelé. Ok. Donc ça devrait marcher. Ça devrait fonctionner. Sauf que ça ne compile pas. Que j'ai fichu 419 404. Deux fonctions qui ont le même nom, c'est pas top. Change suspend unfocused. Ok, ça a compilé, ça a pas tué mon ordi. Donc ouais, je sais pas pourquoi il y avait une action, une queue action forced software. Parce que là, je la vois pas de toute façon utilisée dans les menus. Affichage, non, édition. Il faut de toute façon aller dans les options pour le changer. Forcer le rendu software. Bon, j'avais pas l'intention de la changer, mais. Donc la suspend when unfocused est vrai, parce qu'il était vrai par défaut. Maintenant il est faux. Si je lance la quête. Ok, là ça continue. Et si je recoche. Ok. Ouais, ça marche. Ensuite, je voudrais vérifier que le setting est bien sauvegardé quand je ferme l'éditeur et que je reviens. Ok, ça m'a l'air bon. Cool.
La seule question que j'avais, c'était justement le Force Software Rendering. Pourquoi Main Window? On avait une queue action, j'ai pas rêvé. Ou alors c'était peut-être que du côté. Du launcher. Je pense que c'est ça. Pense qu'il faut que je recherche Force Software tout seul. Pas Force Software Rendering. Settings, dialogue, editor settings. Donc c'est effectivement bien dans la main window du launcher et pas de l'éditeur. Bon bah voilà, tout est clair. Ouais, bah justement, j'allais arrêter le stream cac. Je vais commiter ça. Bah tiens, je vais mettre à jour la traduction française avec. Vu que j'ai rajouté une. Oups, merde. Suis pas au bon endroit. Alors je vais appeler ça comment de l'autre côté? Suspendre si la fenêtre perd le focus. Ok, parfait. Ok, et ben je vais m'arrêter comme promis. Je propose d'aller voir Zelda Retro, qui fait toujours des trucs cool, notamment il crée des jeux avec Solarus. Là ce soir, il fait du speedrun de Mario 64. Il commande du speedrun de Mario 64, on dirait. Donc ça a l'air trop cool. Passez-lui le bonjour. Et un jour, je jouerai à ces jeux faits avec Solarus. Je l'ai promis, mais je l'ai toujours pas fait. Mais maintenant que j'ai un peu plus de temps libre, je vais pouvoir m'arranger. Voilà. À bientôt les amis, c'était Christopho et c'est tout pour le moment.